Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs cadres de l'industrie bancaire je vous demande cela, où c'est tout. Est-ce que vous pouvez me le dire, cela ? Monsieur Hamon, d'abord, je ne fais pas un contrôle d'identité. L'identité, elle est transmise à la Commission nationale. Est-ce que cet engagement, vous pouvez le prendre ? Mais attendez, ça n'a aucun sens. L'identité... Ça a beaucoup de sens, moi. Mais je vais vous dire, l'identité, elle est protégée par la loi. Elle est protégée par la loi. Mais vous savez bien de quoi je parle, Monsieur Macron. Mais vous pouvez. Demain, vous allez peut-être... Vous êtes en train d'assumer des choses. Mais laissez-moi, je vous fais confiance. Je vous dis juste que demain... Quand il s'agira, vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, de prendre les décisions et pas d'attendre qu'il y ait forcément un substitut A. Quand il s'agira vis-à-vis du diesel, qui est responsable de l'émission de particules fines qui font plus de 50 000 morts par an, il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu lié par ceux qui ont financé votre campagne. Je vais vous dire, je vais être totalement clair, je prends l'engagement de n'être tenu par personne, Monsieur Hamon. Personne. Mais donc vous prenez l'engagement. Vous n'allez pas privatiser le débat, j'en prends l'engagement solennel. Je ne suis tenu par personne. Monsieur Fillon est encore très en retard. Le financement est transparent. Il est soumis à une commission. Mais nous ne serons pas. Les donateurs sont protégés par la loi. Vous continuerez cette conversation. Ce n'est pas un débat. C'est un débat à 5. Merci. Pardonnez-moi. Mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, ne répondez pas, Monsieur Macron. Vous êtes. Si j'y étais, j'aurais été à la primaire. Si j'y étais, je ne serais pas là aujourd'hui. Et si j'y étais, je n'aurais pas mené les combats que j'ai menés.